はい、どうも、ボンソレ TV のアマンジニとりょうくんです。はい、皆さん久しぶりです。今日はりょうくんの一つの夢を叶えていきたいと思います。皆さんもよろしくお願いします。今日はね、結構私なりに大きな企画になっていて、なんかすごくワクワクしてるんですけれども、実はりょうくんが面接動画をした時に仕事に対しての疑問があったから、今日は東京にある株式会社赤道というところが協力してくれました。ありがとうございます。今日はこの会社の、社員さんと一緒に交流ができるようで、ぜひお楽しみください。Du coup, en fait, est-ce que tu te souviens que dans l'interview qu'on avait fait pour le projet, tu m'avais dit que tu voulais voir la journée de travail des Japonais? Ouais. Il y avait des questions que tu te posais, du genre. Bah, déjà, j'aimerais bien essayer de voir une journée de travail, de voir comment ça se passe là-bas.Des métiers que je connais moins, mais j'aimerais peut-être bien découvrir. Mm-hmm. En fait, la vie au Japon, mm-hmm. en dehors du tourisme. Ils sacrifient, enfin, genre, tu vois, quitte à passer moins de temps avec leur famille et qu'ils sacrifient plus pour leur travail, tu vois. Mm-hmm. Et que, enfin, tu sais, il y en a, on voit, ils sont épuisés, genre, ils dorment en France. Enfin, c'est rare que tu vas voir des personnes, tu vois, s'endormir mm-hmm. un peu n'importe où, tu vois, alors que au Japon, vraiment, ça arrive très souvent. Donc... Comme en plus, tu viens de sortir du lycée, tu sais pas trop quoi faire. C'est perdu un peu. En fait, j'ai trouvé intéressant, bah, du coup, dans ton projet, de te faire faire plusieurs expériences. Oui. Et peut-être, je ne sais pas, que tu trouveras un indice sur ce que tu veux faire. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est l'entreprise Sekido qui a décidé de participer au projet pour te soutenir. Super sympa, donc allez, tout ça y passe. De te soutenir dans les questions que tu as par rapport à la vie des Japonais, ouais. par rapport au travail. Honnêtement, je suis surprise qu'une entreprise accepte de répondre oui, à toutes les questions, moi, c'est un peu controversé. Ouais, 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 c'est ça. Donc, je suis vraiment genre honoré, tu vois. Si tu veux, cette entreprise, aujourd'hui, tu vas pouvoir voir un peu le travail en office, donc dans les bureaux. Tu vas pouvoir tester cet après-midi le travail en magasin. Ok, d'accord. Donc, je crois que tu as fait de la vente, enfin de la mise en rayon au supermarché. Ouais, ouais. Ça, c'est ça, j'en ai fait un peu bah, justement pour avoir un peu d'argent pour venir au Japon. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, tu vas pouvoir aussi interviewer des personnes de l'entreprise sur les questions que tu poses. Ça, c'est cool. Normalement, ils devraient te répondre en vrai. On espère. Ok, et en fait, si tu veux, cette entreprise-là, en fait, je suis super contente, personnellement. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qui produit en fait, des produits de cosmétiques que j'utilise littéralement tout le temps genre depuis genre 4-5 ans. Des produits de cosmétiques, genre par exemple pour la peau ou... Je ne te dis pas plus. Okay. Donc du coup, en fait, je suis trop contente de me retrouver là. Parce que bah, c'est un peu un lien. Enfin, ouais, enfin, c'est marrant. Bah, moi, du coup, je suis un peu genre honoré, tu vois. Parce que... C'est vraiment bien de pouvoir se retrouver là. C'est super intéressant, donc on va voir ce qu'on peut faire. Une journée. Voilà. Et au revoir. Au revoir. Et donc, aujourd'hui, les guests sont là. まあ、私がよくYouTube 見てるんですが、ボンソワ TV っていうあの素敵な番組があって、そのボンソワ TV の企画でフランスからですね、日本で働きたい、将来働きたい、インターンシップみたいなもんですよね、日本に来られるという企画をやっていて、まあ、それにぜひ協力をさせていただきたいと、当社でですね、アマンレーヌさんと、それからレオさん。YouTube チャンネル、ボンソワ TV のアマンディンと申します。よろしくお願いします。朝礼に多分慣れてなくて、今皆さん何してるんだろうって疑問に思ってると思います。Tous les matins, en fait, les entreprises, elles sont, ils rassemblent les gens. Et en fait, ils disent un peu, ben aujourd'hui on va faire notre mieux. On est des gars un peu, tu vois, genre aujourd'hui on va faire ça, ça, ça. Et c'est bon, on peut travailler. Konnichiwa, watashi wa Ryo desu. Hatachi desu. Watashi no shumi wa basketball to fashion. Kyou wa onegai shimasu. Merci beaucoup. C'est bon.一応補足だけさせていただくんですけど、りょうくんがもともと通っていた高校、今卒業したばかりなんですけど、先生と生徒40人が2年間の間にいろんな、イベントに参加して、まあ、お金を少しずつ集めて、やっと今年の4月に40人分の日本旅行のお金を集めて日本に来たんですね。
まあ、それでも、まあ、日本が本当に自分のアットホームな気持ちで改めて私たちのプロジェクトに今参加してるんですけれども、今回はちょっとファッションとかコスメ関係で何かできないのかと思って、りょうくんが日本に来ております。よろしくお願いします。ここにいられるなんてなんか夢みたいって自分がまだ把握してないって。そんなそんな、それはこちらのセリフです。Mais par contre, tu vois, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de différents âges en France. Ça pourrait être intéressant, c'est d'interviewer un jeune, une personne un peu plus âgée, on va dire une personne, je pense que ça peut être intéressant de voir la différence. T'as la chance de pouvoir interviewer le directeur. Merci. 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 Je vais vous poser quelques questions. Je souhaiterais, si possible, que vous me répondiez le plus honnêtement possible. Premièrement, pourquoi ce métier-là, enfin, pourquoi cette branche-là et qu'est-ce qui vous plaît dedans ? Europe, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont été.会社に入ってから30年経つんですけど、今年で、そうですね、やっていて楽しかったことっていうのは、ずいぶん会社が変わりましたね。特に2000年以降ですかね、ものすごく会社の形がどんどんどんどん変わっていく、まあ、その会社の形が変わっていく、で、働いている社員の人たちも変わっていく、会社を変えていくということが自分の仕事だったんで、振り返ると、やっぱりとてもそれは自分にとってやりがいがあったし。楽しかったなと。はい。Je suis content que vous ayez trouvé votre voie assez jeune et que aujourd'hui vous soyez épanoui dans votre travail. Ah, ありがとうございます。En fait, le monsieur explique qu'avant cette entreprise-là, il y a 60 ans, en fait, elle faisait des appareils électroménagers, si tu veux. Et en fait, le monsieur, du coup, il a tout changé. Et maintenant, en fait, c'est principalement des cosmétiques coréens.Qui produit en fait. Personnellement, la fashion, j'aime. Et peut-être que mes goûts ressemblent. Il a dit, j'adore. Je pense qu'on se ressemble peut-être au niveau de. Ça me fait plaisir d'avoir des points communs. Est-ce que le soir vous rentrez assez tard chez vous ou ça va? Enfin, après. Quel est le niveau de la vie?変わりましたね。昔と比べると早く帰るようになりました。Si vous aviez le choix entre passer encore un peu plus de temps avec vos deux petits chiens et être un peu moins au travail, est-ce que vous accepteriez ou ça vous dérangerait un peu, genre, enfin de passer. 多分今のバランスでいいでしょうね。Ouais, il a dit non, il pense qu'il a trouvé vraiment l'équilibre. Il dit je dors assez. Ça l'était bien, ということで。寝不足です。寝不足ですね。Bonsoir TV を毎晩見てます。あ、ごめんなさい。Regarde jusqu'à 2h du matin YouTube. りょうくんと同じです。2時まで。Pareil. 一番好きなのは、一番最初に見た札幌ラーメンをお母様と食べてると思うんですね。C'est marrant. Vraiment pareil. On se couche tard à cause de YouTube. On est fan de mode. 時間があれば一緒にショッピング行きたいですよね。Ah bah moi aussi, j'aimerais bien. Il n'y a pas de souci. Bah merci d'avoir pris votre temps pour répondre aux questions. Et puis, je ne vais pas plus vous embêter, vous. Oui, ça va, si, d'accord. こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。いくつか受けたインタビューの中でも一番。Oh, il a dit de tous les interviews qu'il a eu dans sa vie, c'est toi qui poses les meilleures questions. Il a dit que tu te débrouilles bien pour interviewer. 質問されてやっぱり答えることで。なんで新しい発見が自分自身にもあるので。あ、でも、お contraire、c'est bien de pouvoir se re-questionner soi-même, je trouve. Parce qu'en plus, bah, du coup, ça prend le temps, t'en apprends plus sur toi-même, tu vois, avec des questions comme ça, plutôt que genre les questions de, on va dire, pro, entre guillemets. Ah, 本当に聞かれていろいろと、自分で答えながら気づくことってたくさんあるので、お母様にもよろしくお願いします。あ、はい。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。すごい緊張するじゃん。全然気にしないでください。こっちの方が緊張してる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Pourquoi ce métier et qu'est-ce qui vous plaît dedans, on va dire. 僕の仕事は時計のバイヤー。お店のスタッフから、こういう時計が人気だよっていうのを聞いて、
商品の仕入れするのが僕の仕事です。やりがいっていうのはやっぱり自分が選んだ商品がお客様に喜んでもらう。面白い仕事ですね。初めて聞きました。あ、そうですか。すごく面白い仕事ですね。はい。Vous allez dans le personnel avec votre famille, si ça ne vous dérange pas trop. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous rentrez tard et donc du coup, bah, quand vous rentrez, vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas le temps de passer du temps avec votre famille, ou justement, est-ce que vous rentrez à une heure assez correcte pour passer du temps avec votre famille? はい、僕は、今年の、はい、4月に子供が生まれて、おめでとうございます。はい、もう今は子供に会いたくて、もう早く帰って、はい、子供と一緒に、過ごす時間をとっているので、はい、すごく充実をしていて疲れてるっていうのは全くないです、うん、あ、昔は逆にはちょっと大きかったことです、はい、20代の頃は仕事が好きだったので、はい、今は、家族子供、奥さんと子供に時間を使いたいなと思うので、うん、基本的には残業もしないで帰っちゃっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Du coup, votre entreprise, ça ne gêne pas trop que, on va dire, vous quittez à l'heure? 長く働く人が偉いっていうのはもうない、一切ないので、本当に時間内でちゃんと仕事ができるのは逆に偉いです。そうです、スマチームでやってるので。En fait, c'est plus dans cette optique-là qu'il voit les gens dans cette entreprise. C'est pour ça que du coup, il peut rentrer à l'heure. Oui, balance を取れて、子供と奥さんと過ごす時間をしっかりと作ってもらえるので、とても幸せにやらせてもらっております。Merci pour le temps. Ah, お時間ありがとうございます。ありがとうございます。忙しいところ、はい、お幸せに。すごく嬉しそうに。はい、ありがとうございます。Il a dit qu'il était petit peu. Elle a le lâche comme moi. Donc, pourquoi ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît dedans?韓国がすごく好きで、どうしても関係する仕事がしたくて、この会社に入りました。Vous rentrez tard ou pas avec votre travail? 何時ぐらいですか？家がちょっと遠いので、だいたい10時から10時半ぐらいになります。2時間ぐらいの場所ですね。Elle habite loin? Voilà, genre littéralement 2 heures de train pour venir. Oui. En général, elle finit vers 19-20.Le soir, et mais après. Donc, est-ce que ça vous permet quand même de passer du temps avec vos amis? Ça vous dérange pas de rester un peu seul, on va dire, ça vous permet de souffler?そうですね、両方とも好きなので友達と約束があればもちろん出かける日もあるし、でも割と自分の時間が多いかもしれないです。あのレオ君もあんまり人に会うタイプではないので、一人時間が好きっていうのは理解ができるっていう。仕事が好きだから別に4時間の電車やっても大丈夫です。全然大丈夫です。フェツサワヤラドスプエジムなんかしょうがなく4時間かけてるんじゃなくて、好きでやってるからどういうふうに質問すればいいのか今考えてる。Mais est-ce que vous dormez du coup assez ou ce travail-là ça vous dérange pas du tout d'être épuisé etc. なんかすごい元気そうに見えるからなんか全然全然今も仕事はすごく好きなので全然問題なしで、むしろなんかその4時間かかるんですけど、その中で自分の好きな韓国のドラマだったり音楽聴いたりとか、その時間を楽しめてます。Si il y a des semaines, vous avez combien de semaines de vacances? Par rapport à la France, nous par exemple, on peut avoir 3 semaines et peut-être 3-4 mois. Genre les plus grosses vacances, ouais, ça va être août ou juillet selon les entreprises où tu peux prendre 3 semaines, tu vois. Mais après, c'est genre une semaine là, une semaine là, une semaine là, tu vois. C'est comme ça. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps.でもまとまったお休みっていうのはちょっと取りにくいかも。でも、du coup, en fait, c'est parce que ça pose trop de problèmes par rapport aux autres employés. Dans le sens où ils vont, quand elle est pas là, il y a quelqu'un qui doit faire son travail. Et en fait, il manque de main-d'œuvre, si tu veux. Et mais du coup, ça va permettre à un jeune de faire un petit job d'été, tu vois. Vu que c'est lui qui va remplacer en gros le. それが今、フランスが考えてることになってるらしい。すごいいいと思う。問い合わせとかしても、とにかくもう何もならないっていう。すごい。
そこはまあお客さんから見たらちょっと迷惑っていうことなんですけど、社員から見たらすごくありがたいっていうところですね。もう皆さんがリフレッシュしてありがとうございます。興味深いですね。Et enfin, tu vois, ils ont pas l'air d'être tristes ni de se plaindre, tu vois, ils ont l'air assez contents d'être là. Moi, ce que je trouve agréable, c'est qu'ils sont habillés, mais pas en uniforme. Donc, ouais, non, ça, c'est assez cool quand même, tu vois, t'as pas le problème de l'uniforme là. Alors en fait, ici, c'est un peu les produits qu'ils ont, donc c'est la marque Mediheal, ils ont d'autres marques en fait. あ、先生、ちょっと見て。じゃあ、見てみて。新商品なのに珍しい。これももうずっと前からこの全部使ってます。これもある。2つ家に。で、化粧水最近使ってるのもこれ。だから、なんか面白いなって。僕より使ってんの。全部使っちゃうんじゃんって言われて。そう。 出します。で、来年の今商品の今ちょうど意見を出し合って考えているところです。はい、激似たつのか。ぜひ意見とかをいただければ。韓国のメリヒルというブランドなんですけれども、その先導が2020年の11月から日本の独占販売権を持った総代理店という形で契約をしていまして、日本で、まあ、転換させてもらってます。先ほど天海さんからもお話ありましたが、2020年以前は本当にシートマスクが2、3種類とか、まあ、多くて5種類ぐらいの展開だったんですけれども、自分たちが独占販売権を持たせていただいて、日本向けの商品とかも多数ちょっと揃えているので、そこはもう後で少しぜひ使ってみていただければと思います。ほとんど全部使ったことがあるから、じゃあ逆に私怖いなと思って。フランスって美容大国のイメージがあって、日本の化粧品の輸入量の1位ってずっとフランスだったんですよ。ちょっとあの去年とかに韓国に逆転されちゃったみたいなんですけど、あの、りょうくん含めてみんな化粧品とかって 気にされたり。des masques charbon。donc j'utilise des trucs pour points noirs aussi. Et là c'est, enfin après bah, tu sais, t'as les masques aussi qui, enfin, ils s'essuient à l'eau en mode. Mais que j'aimerais bien, bah, tu sais, c'est l'anti-cerne. なるほど、クマか。本当に今メディヒールシートマスクが中心でやっているブランドなんですけれども、一枚一枚入っている包装タイプのもの、そうですね。こういうイメージもあれば。 ただこういう毎日使ってもいいような、これも実は単体といえば実は単体なんですが、まあ30枚タイプがあったり、あの先ほどちょっとクマの話がありましたけど、こういう商品があったらもっといいのになとか買いたいなとかって何かあったりしますか？お風呂の中にやはり毛穴が開くんじゃないですか。なのでお風呂の中にマスクできたらパックできたらいいなっていつも思ってるんですけど、こういう毛はやはり保湿が高い分寝る前になんか気持ち一日の終わりっていう。そうですよね。 結構いっぱい入ってますよね。水分。うん。入ってる。お。でもリコちゃん、ディピダンスのザラミア。あ。もう一回。これでいいですか？うん。このまま。
まあ極端な話、20分以上つけてても乾かないので、うん、シートがやっぱり乾いちゃうと肌の水分逆に取って乾燥してしまうんですけれども、うん、そう保つ力みたいなのがすごいあるので、そこら辺はすごい優れてるかなと思います。感覚が面白い。super intéressant. J'en apprends beaucoup plus, tu vois, sur des produits cosmétiques, tu vois, autres que leur. Quelqu'un d'aller voir ça. Comme ça? Exactement.C'est d'ailleurs l'une des pires erreurs que la France fait. Parce que je vous garantis que mettre un combini en France, mais ça marcherait de fou en fait. Mais ça, ils veulent pas croire. Mais... Ok. Oh. Bon. Bah, du coup, on parlait de quoi en général le midi. Oui, bah oui, c'est ce que elle je parle de privé en général. Ok, ok. Je viens de la région Champagne-Ardenne, en gros, bah, qui est spécialisée dans le champagne. Il y a beaucoup de vignes aussi. Ah, ça se mange vraiment. Allez. Allez. Voilà.新しい名前、コントラクター。On arrive en stage. Oh, c'est trop bizarre. On dirait que je suis professionnel, tu sais. Bonjour, je démarque les agents. Konnichiwa, watashi wa Ryo desu. Yoroshiku onegai shimasu. Aujourd'hui, elle va vouloir sortir les articles et mettre en stock avec toi en fait. J'aime beaucoup. Gambatte. Allez, les gars, c'est bon. Ça y est, c'est bon.Vraiment en stage. T'as bien su qu'il fallait mettre derrière, ça va. Ouais. On a, c'est comme quand je travaillais dans le frais, en fait, c'était la rotation. Donc là, je le fais par réflexe, on sait jamais.Il est venu ici, bon coq. Ok, ok. C'est bien, il est cosmétique. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et ça te va bien comme genre de magasin en vrai, parce qu'avec ta coupe à la mode et tout, en vrai, ouais, ça te va. C'est comme les boutiques de vêtements, hein, j'aime bien en tout. Suji, on va coller, on va aller gâter. 2 番って言われたら2って分かるし。はい、ありがとうございます。後ろに入れるのはすぐ分かったんですね。やっぱ素晴らしい。前につけてしまいがちですよね。そうですよね。普段はしないです。素晴らしい。スパフィニー、スパフィニー。こちらの在庫は後ろにバックヤードにあります。見て。次行きましょう。おお。さっきの洗顔法もまた覚えてますか。はい。読んでモデルの時から。完成です。素晴らしい。今回キャンバスを消す。で、メットで、ザキャドのさっき。
et de leur donner, tirer les gâteaux de la main. C'est pas une main, c'est oui, non, je pourrais rester ici toute la journée. En fait, ça me dérangerait pas. On est bien ici. On est comme un petit fou. Voilà, il est comme moi. Encore une première fois au Japon. Ça fait combien d'années que vous apprenez le japonais? 5年ぐらいです。5年でこんなにうまいです。全然まだまだです。J'espère dans 5 ans je serai pareil. Ah, vous appreniez tous les jours ou vous aviez des pauses? ありがとうございました。よくできてますかって自分が聞いてる。すごいできました。本当に偉いです。本当にすごい。J'ai conscience de beaucoup aimer. 本当に上手です。そうさ、さば、セレ、サンボのもも。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。Fin de la journée. Ouais. Alors, t'en as pensé quoi de ta journée de découverte et du milieu de l'entreprise japonaise? J'ai bien aimé, honnêtement, tu vois. Déjà le matin, c'était super sympa, tu vois, d'apprendre un peu plus sur la vie, on va dire, personnelle des employés. Ils ont répondu aux questions un peu que je me posais. Donc en plus, ils ont été super honnêtes, tout ça, donc ça, je les remercie. Et puis bah, là, cet après-midi, tu vois, faire on va dire, mon petit stage, tu vois, c'était aussi sympa. Enfin, bah, la leçon, on va dire, que j'ai tirée, tu vois, c'est faut aimer son travail. Tu vois, pour eux, ils aiment leur travail, ils ont le temps pour leur famille, tout ça, tu vois, donc ils sont heureux, tu vois, dans ce qu'ils font. Les jours de repos, tu vois, tu peux te concentrer sur ce que tu as envie de faire aussi. Mais après, genre, tu vois, ça ne dérange pas de reprendre le travail après. Donc, ouais, je dirais que c'est. En fait, c'est même toi, ça se trouve, tu vois, tu vas être irrité à cause de ton travail. En fait, tu vas penser que c'est ta famille qui t'embête aussi, tu vois, donc tu vas vouloir toujours rester seul. Et je pense que tu seras vraiment pris dans une sorte de piège. Donc, en gros, tu vas te dire, déjà le matin, tu vois, tu te lèves, tu vas souffler. Et tu vas même pas avoir envie d'aller à la journée de demain parce qu'en fait, tu sais déjà ce qui va t'attendre. Entre guillemets, bah, tu sais que c'est un métier que tu n'aimes pas faire. Les gens ils vont te dire, oh, t'es aigri, tout ça, enfin, tu vois, t'es tout le temps énervé, ou alors t'es tout le temps triste, ou bah ouais, mais j'ai pas encore trouvé le métier qui me plaît. Alors que toi, si j'ai un métier qui me plaît, tu vois, tu vas rentrer avec le sourire, enfin, tu vas avoir envie de te lever le lendemain pour aller faire ce que tu as envie de faire. Donc je pense ouais, le plus important, c'est d'abord d'aimer son travail. Donc je tenais à remercier l'entreprise Sekido de m'avoir accueilli donc, ce matin dans leur bureau. À vous tous même de m'avoir accueilli et je suis très honoré d'avoir pu vivre ça aujourd'hui. Vraiment un truc que j'aurais pas pu faire en tant que, on va dire, touriste au Japon. Quoi. Honnêtement, merci beaucoup. Et bah, du coup, patron, si vous regardez ça, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Donc vraiment merci. Enfin, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance en fait de pouvoir vivre tout ça, on va dire. Donc vraiment, bah, merci à toi, Mandine. Merci à tes abonnés de me faire vivre tout ça, vraiment, c'est exceptionnel. はい、皆さん、今日は最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。レオくんの夢は少し皆さんに届いたましたでしょうか。ぜひこの動画についてどう思ったかをコメントで教えてください。あと皆さんが勤めている会社がもしこの会社と違うところがあれば、皆さんの会社の特徴とかも何かあればぜひ教えてほしいです。メディヒールは実際5年前からずっと愛用しているブランドで、今日本当に一緒に何かができてすごく嬉しかったです。皆さんのために、私がずっと本当に愛用していて、もう本当に大好きな商品が詰まったセットを準備しておりますので、ぜひ詳細は概要欄でチェックしてください。では次の動画へお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。